وفي كرة القدم فاز سهرة أمس المنتخب الوطني لكرة القدم أمام نظيره السنغالي بنتيجة هدف مقابل الصفر في مباراة ودية بملعب عبد الله وادي بالعاصمة دكار. هدف الخضر سجله اللاعب فارس شايبي في الدقيقة 63 لفائدة المنتخب، وتدخل هذه المواجهة في إطار تحضيرات المنتخبين إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2023 بكوت ديفوار المؤجلة إلى 2024. وفي الندوة الصحفية التي عقدت بعد المباراة تحدث الناخب الوطني جمال بلماضي عن الفوز الذي حققه الخضر أمام المنتخب السنغالي بمقر داره، مؤكدا على ضرورة العمل المتواصل من أجل الوصول إلى الأهداف المسطرة. J'aimerais être à sa place, moi, être de nouveau champion d'Afrique, avoir joué la dernière Coupe du Monde. C'est quelque chose qu'il a offert à son pays. Donc c'est ça le plus important. Le reste, c'est peut-être une petite lutte d'ego, d'entraîneur, quoi, avec tout en étant très, très fraternel, très amical. Je vous assure que c'est un nouveau titre. Le plus important, c'est effectivement... Cette victoire, elle compte pour cette équipe d'Algérie en, je ne vais pas dire en complète reconstruction, mais avec quand même l'avènement de nouveaux joueurs et de jeunes joueurs qui comptent leur deuxième, troisième, quatrième sélection. Donc ça, c'est la chose sur laquelle qui m'importe.